Si je comprends bien, quand on vous arrête, est-ce qu'il y a un document qu'on vous présente pour votre arrestation à l'aéroport? Ou bien c'est cette plainte dont vous parliez qui arrive seulement, je crois, 4 jours après. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien, il s'agit bien de cela, c'est-à-dire que en gros, de quoi s'agit-il en Vous, fait? on vous arrête tout seul. Vous êtes tout seul. Oui, je suis en train de Oui. reprendre la mission. Je n'étais pas seul en mission, mais mes collaborateurs avaient par petits groupes qui rentraient en France, qui aux États-Unis, qui en Côte d'Ivoire, et moi j'étais le dernier donc à prendre l'avion ce 9 mai. Lorsque j'ai pas pu prendre l'avion et qu'au contraire, le commissaire a retiré mon passeport en me demandant, en me faisant la fleur de ne pas me mettre tout de suite en garde à vue, m'a-t-il dit. M'a dit parce que finalement, j'ai quelques doutes et puis après tout, pourquoi on fuirait alors qu'on a des contrats aux enjeux financiers si rocambo, si importants, si substantiels avec l'État. Donc je vais vous faire la fleur, je garde vos documents, vous vous présentez demain. C'est ce que j'ai fait et c'est au terme de ma visite à la PJ. Enfin, je croyais que c'était une visite. Non, ce que je voulais savoir, donc, c'est quand on vous arrête, il n'y a aucun document qu'on vous présente, Non, non, on c'est juste. m'arrête et Oui. après, les gens, donc des footballeurs très connus, font le déplacement au Cameroun Non, non, on et va venir déposent sur ça. plainte. Oui, donc, on vient, c'est sûr, je veux dire, c'est justement en parlant tout simplement comme ça que l'un commissaire arrive Pour exploitation. et vous dit, on vous arrête Pour exploitation. sans, il n'y a aucun document qu'on vous présente lors de votre Ils arrestation. n'en ont pas besoin et par la suite, vous comprendrez à quel point ils n'en avaient absolument pas besoin. D'accord. Deuxièmement, vous avez dit que c'est des faits, on vous arrête pour des faits qui se passent en France, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il s'agit concrètement Voilà, c'est ce que vous voulez. soit d'un actionnaire qui demande à un autre actionnaire que je suis Oui. de lui rembourser ce qu'il a investi dans la personne morale, d'ailleurs en prenant bien soin de mettre la preuve que l'argent est parti de son compte au compte de la personne morale. Et je rappelle que c'était pas une entreprise, bon, c'était une entreprise d'un capital quand même de 800 000 euros au tout départ, d'accord, en 2008, et que par ailleurs, on avait un expert comptable, puisqu'il s'agit d'une société anonyme, enfin une SAS, une forme particulière de société anonyme, qui est obligée d'avoir un commissaire aux comptes, d'avoir un expert comptable, et donc ça veut dire que les comptes sont forcément réguliers. Sinon, votre commissaire aux comptes a même l'obligation légale de vous dénoncer, de dénoncer les dirigeants auprès du tribunal de commerce dans l'intérêt de la personne morale. C'est ça le rôle du comité. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de problème, il n'y a jamais eu de grabuge entre les actionnaires, et d'autres plaignants étaient plutôt des créanciers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont prêté de l'argent à l'entreprise, ils ont été remboursés plusieurs fois, et à ce moment-là, ils ont estimé que le prêt qui était en cours avec l'entreprise, dont ils ont eux-mêmes pris le soin d'envoyer les relevés bancaires pour qu'on voit bien comment l'argent est parti, par exemple, d'Espagne directement dans le compte de l'entreprise et non pas dans mon compte à moi, parce que moi aussi je mettais de l'argent dans l'entreprise avec le même cheminement. Et donc, en fait, il s'agit de faits qui se sont déroulés en Europe, en France, et il s'agit de faits qui concernent la personne morale et en aucun cas moi. Et il s'agit des faits pour lesquels les parties, que ce soit les créanciers ou l'actionnaire, le ballon d'or africain, ont expressément convenu qu'en cas de mésintelligence, tout litige serait connu par les tribunaux français. Très bien, très bien. Jusqu'ici, les choses commencent à se dessiner et on essaie de comprendre. Vous avez parlé d'un footballeur célèbre. Peut-être que vous pouvez donner l'identité pour que ceux qui ne connaissent pas savent quelles sont les parties en cours, s'il y a d'autres qui étaient à vos trousses et qu'est-ce qu'ils réclamaient exactement. Est-ce qu'ils étaient en droit de le faire? Puisque vous dites qu'il y avait un commissaire, comme toute entreprise, un commissaire aux comptes, et que les choses doivent se passer de façon tout à fait normale, en s'adressant d'abord à ce commissaire, et si il y a une gestion qui n'est considérée qui n'est pas tout à fait normale, il y a des procédures pour cela. Il y a un process. On ne se lève pas un matin pour aller régler son problème. On ne se fait pas justice soi-même. Donc, la question pour moi ici, c'est à deux niveaux. D'abord, l'identité des personnalités, si vous pensez qu'on peut préciser qui sont ces parties en cours, et aussi précisément que possible, quel était leur grief.
Les identités, l'affaire, elle est publique, elle a été abondamment, enfin, donc nous pouvons, c'est pour les rassurer que nous ne sommes pas en train de trahir ou d'être imprudents dans le cadre de l'exposition des éléments qui appartiendraient à des procédures judiciaires, que ces informations sont tout à fait sur Internet, dans la presse écrite partout. Non, il s'agit simplement, le Ballon d'Or africain 2000, il n'y en a qu'un. C'est le Ballon d'Or de quelle année? Ballon d'Or football africain, oui, de l'année 2000. Mm-hmm. Il n'y en a qu'un seul, c'est l'excellent Patrick Mboma. Il y a également l'inimitable gardien de but, l'incomparable, je crois, hein, en termes de compétences dans les buts, monsieur Idriss Carlos Kameni, créancier de l'entreprise, mm-hmm, et leurs amis un peu moins connus. Mais voilà véritablement les têtes de proue, sachant que la locomotive pour les plaignants, c'est bien entendu M. Mboma, qui avait la particularité d'être actionnaire de Hope, alors que les autres n'étaient que créanciers, amenés d'ailleurs par lui, suivez mon regard, et que en tant qu'actionnaire, il était également statutairement le directeur général adjoint. Dans le cadre de sa reconversion, suite à sa brillante carrière footballistique, il avait souhaité passer à autre chose, et il nous avait approchés, j'insiste, il nous avait approchés, et nous avions trouvé un accord pour qu'il soit donc impliqué et que nous soyons des investisseurs ensemble dans une activité que nous avions commencé sans savoir qu'un jour il nous approcherait. Parce que l'activité, elle a commencé en 2006 et lui, il est arrivé en 2008. Donc, s'il y avait même eu un problème dans la gestion de l'entreprise, le directeur général que je suis et le directeur général adjoint, par ailleurs deux actionnaires, moi majoritaire, lui minoritaire, aurait été impliqué. Il n'aurait pas été possible que l'on me reprochât un grief qui ne lui aurait pas été opposable. Donc ce qui est quand même rocambolesque dans l'affaire, c'est qu'il prend l'avion pour venir au Cameroun, exiger devant les juridictions camerounaises que j'ai, moi personnellement, un tuti personné, à lui rembourser l'argent. Oui, justement, qu'est-ce qu'il demandait? De lui rembourser l'argent qu'il a investi dans le groupe Hope, parce que les procès-verbaux, la presse en a largement fait écho, hein, parce que tout à coup, il affirme, parce que c'est pour ça que je parlais de paradis judiciaire, mm-hmm, ce qui n'est vraiment pas glorieux pour nous lorsque nous parlons de panafricanisme, mm-hmm, du respect de nos pays. Non, il explique simplement que cet argent lui aurait été escroqué. Mais comme il n'a peur de rien, il met la preuve qu'il a envoyé cet argent à l'entreprise. Et il affirme qu'il ne reproche rien à l'entreprise à part le fait qu'elle n'existe pas et qu'elle serait fictive. Et d'ailleurs, qu'il a été nommé directeur général adjoint à l'insu de son plein gré. Alors qu'il suffit de taper sur Internet pour voir qu'il était extrêmement heureux de pavoiser ci et là comme directeur général adjoint de Hope, aussi bien pour rencontrer des premiers ministres que des présidents de la République et des ministres et des personnalités. Pas seulement au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, mais au Burkina Faso, et j'en passe. Donc, on s'est retrouvé là, vraiment dans quelque chose de fantaisiste, mais ça a quand même valu une garde à vue, un mandat de détention, et par la suite, une condamnation. C'est tout à fait curieux, cette histoire. Si je comprends bien, nous avons une entreprise de droit français. En effet. Nous avons des actionnaires de cette entreprise. Français. Il y a une querelle entre les actionnaires, qui, selon l'acte conclu entre les actionnaires, la querelle doit se régler selon le droit français en France, c'est bien ça? En effet. Mais qu'est-ce que le Cameroun et la justice Cameroun vient faire dans tout ça? Le Cameroun est un paradis judiciaire, comme d'autres au Panama ou ailleurs ont pu inventer des paradis fiscaux, alors que par ailleurs, leur base opérationnelle en termes d'activité économique ne se trouve pas dans ces paradis fiscaux. Donc autrement dit, ça n'a rien à voir. Le Cameroun n'a rien à voir dans cette affaire. Qu'est-ce que la justice camerounaise a à voir dans cette histoire entre deux actionnaires? Deux actionnaires Dupont, français Dupont. Concernant une entreprise française pour des actes qui ont eu lieu en France et pour lesquels les juridictions françaises, en particulier le tribunal de commerce de Paris, avaient été expressément désignées au cas où il y aurait une mésintelligence entre les actionnaires. Pareil pour les créanciers, M. Kameni ne peut pas apporter plainte, d'abord parce que le contrat qu'il signe avec la personne morale et non pas avec Jean-Emmanuel Foumbi est un contrat qui n'est même pas échu. C'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à quelqu'un et le terme n'est même pas encore arrivé
vous l'accusez d'avoir en fait escroqué votre argent. Et vous savez que l'escroquerie signifie que vous avez utilisé de manœuvres comme ça pour pouvoir en fait tromper la vigilance de votre vis-à-vis et lui extorquer des fonds. Alors qu'il y a des contrats. Donc, vous avez utilisé l'expression de paradis judiciaire et vous expliquez cela tout à fait correctement dans vos termes. Ce qui est donc surprenant, c'est, je reprends pour résumer, pour qu'on comprenne bien, nous avons donc une entreprise de droit français, avec des actionnaires en France, et s'il y a querelle entre les actionnaires, il y a une procédure qui est prévue pour régler cela et qui demande que ce soit réglé par les tribunaux français, et tout d'un coup, on se retrouve au Cameroun, où l'État camerounais, puisque la justice camerounaise est en action, vous arrête. Après vous avoir invité. En effet. Alors, je voudrais maintenant que l'on passe cette deuxième partie. Quand on vous arrête, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Mais on vous dit, monsieur Foumbi, suivez-moi. Puis vous vous exécutez parce que vous respectez les forces de l'ordre. D'ailleurs, vous suivez d'autant que vous ne savez pas pourquoi on vous dit de venir. Après tout, vous travaillez avec l'État, vous êtes le représentant légal du partenaire technique de l'État. Donc on peut toujours, il y a toujours eu des vérifications, il y a toujours eu beaucoup de choses. Donc vous ne savez pas, vous ne pouvez pas présumer de la raison pour laquelle on ne vous explique pas. Là-bas, on n'explique pas. Enfin voilà, donc vous suivez l'injonction. Et donc quand vous arrivez, vous attendez, puis vous attendez. Et après, on vous dit d'aller en cellule. Hein, vous allez en cellule et cette cellule. Vous ne savez toujours pas ce qu'on vous reproche. Non, on vous dit que vous êtes mis en garde à vue pour escroquerie. Et quand vous demandez qui est-ce que vous avez escroqué, on vous demande d'attendre. Parce qu'il faut bien que les personnes qui se disent avoir été escroquées arrivent. Et je vous explique qu'elles ne sont pas au Cameroun et qu'elles ne sont pas camerounaises. Donc il faut qu'elles viennent. Ça prend 6 heures de temps. Et ça prend aussi un peu de temps peut-être pour mettre en route le voyage. Donc ils n'arrivent au Cameroun que pendant le week-end, ce long week-end de Pentecôte, du mois de mai, donc entre le 10 mai, encore une fois, et le 13 mai. Le 13 mai est un lundi. Donc, ils arrivent au Cameroun pendant ce long week-end et débarquent par Yaoundé et débarquent à Douala le mardi 14 au matin et déposent leur plainte. Et puis, toute la machine s'enraye, s'enrhume, s'emballe. Bien, non, le fait est établi et c'est clair maintenant dans l'esprit des gens. On vous a arrêté sans que vous sachiez pourquoi, officiellement, et vous suiviez juste puisque vous êtes respectueux des forces de l'ordre du pays où vous trouviez et qui vous embarque jusqu'à la cellule. Il n'y a pas de plainte pour vous et en quelque sorte, on vous arrête avant la plainte. Et puis maintenant, quand arrive cette fameuse plainte, ou ces fameuses plaintes, parce que je ne sais pas combien il y en a. 5. Bon, 5 plaintes. Alors ces 5 plaintes sont formulées comment? Si vous les avez vues ou si on vous les a présentées? Si, puisque il y a eu des confrontations, etc., ce sont toutes des plaintes avec le même motif, escroquerie. Je crois qu'en fait, ils ont pu recevoir l'assurance qu'ils n'avaient pas à beaucoup trop se tracasser les neurones et qu'il fallait simplement servir un prétexte, une base, pour qu'ensuite ce soit un ingrédient dans lequel on ferait une macédoine. C'est-à-dire que quand ils portent plainte, je pense qu'ils n'en sont absolument pas convaincus. Parce que tous portent plainte pour la même chose et tous disent la même chose, qu'on soit actionnaire ou... mais personne n'apporte le début du commencement de la moindre preuve. Et vous êtes en garde à vue, mais surtout, la garde à vue signifie qu'on va quand même enquêter pour savoir un peu ce qui se passe. D'abord, vous n'êtes pas... Vous savez qu'au Cameroun, le principe qui veut que la liberté soit la règle et la privation de liberté l'exception... est tout à fait consacré par la loi. Donc, en tant que partenaire technique de l'État, invité par l'État, donc qui me doit protection, d'après ses engagements internationaux, parce que Jean-Emmanuel Foumbi n'est pas au Cameroun, c'est le président directeur général du groupe Hope qui est invité au Cameroun par le gouvernement. Et c'est toujours le gouvernement, que ce soit le ministère de l'Économie ou le ministère de la Justice, c'est le gouvernement du Cameroun, donc, qui vous invite et qui vous arrête et qui vous coffre et qui vous reproche en fait des choses qui se sont passées dans un autre pays sans être capable de dire en quoi vous avez pu perturber l'ordre public local. Et après, donc, les plaintes manifestement étaient
infondé, puisque certains officiers de la police judiciaire ont quand même bien souri, mais ils ont aussi expliqué qu'il ne fallait pas se leurrer, parce qu'ils n'auraient pas une main de velours, mais une main de fer pour exécuter les directives de la très haute hiérarchie, une expression très prisée là-bas. Alors, quand il y a une plainte, j'imagine que les autorités de police judiciaire mènent l'enquête pour considérer les preuves de la plainte, éventuellement. Elles auraient dû mener l'enquête, par exemple, saisir leurs homologues en France, seul lieu où on pourrait savoir, à travers les comptes bancaires, à travers des investigations, dans quelle mesure il y a eu éventuellement atteinte à la fortune des plaignants. Il n'y a jamais eu de commission rogatoire, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a rien eu du tout. Il y a simplement eu un mandat de détention provisoire, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et après les jugements et les condamnations. Les mandats sont signés. Alors, je crois que les magistrats, qu'ils soient des procureurs, il y a eu notamment le procureur du tribunal de première instance de Douala, de l'époque, il y a également eu des juges d'instruction, que ce soit du tribunal de première instance, que ce soit celui du tribunal de la grande instance de Douala. Donc les juges du siège, tout comme les procureurs, se sont livrés allègrement, comme d'une belle opportunité qui se présentait à ces professionnels, en fait, à exécuter ce qu'ils ne cachaient pas d'ailleurs auprès des avocats ou bien de ceux qui étaient un peu dans le rouage de ces procédures-là, comme les greffiers et autres, être des directives venant directement de Yaoundé. Quand vous dites de Yaoundé, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que, en gros, il s'agit d'un tandem formé par le ministre de l'économie et le garde des Sceaux. Si vous me permettez, je ne suis pas obligé de dire de la justice, parce que dans tout ce que j'ai vu et vécu, il n'y a jamais eu une préoccupation de justice. Donc, ce sont des directives qui venaient directement d'eux et que parfois, les juges n'ont pas caché à nos avocats en disant « Vous savez très bien que cette histoire est un problème entre vous et nos chefs à Yaoundé et que ça ne sert à rien d'avoir quelque espoir que ce soit, notamment quand nous étions en habeas corpus, qui est une procédure pour dire justement ce que vous avez relevé, ben, c'est un Français, c'est d'autres Français qui portent plainte, etc. Il n'a rien à faire en prison. » Donc toutes ces procédures, on nous disait « Mais on va jamais vous libérer, et d'ailleurs on va vous condamner. » Et monsieur le footballeur d'ailleurs m'avait promis qu'il y aurait des condamnations, et il ne l'a pas promis simplement en privé, ce qu'il a fait, puisqu'il a eu le droit de venir en cellule, mais il l'a fait aussi sur des plateaux de télé. Alors, ici quand même, si j'ai bien compris, le ministre de l'économie, c'était monsieur Ganoundou Messi Emmanuel. Et le ministre de la justice, Laurent Esso. Bien, alors, c'est tout à fait curieux votre histoire. Nous entrons là, dans un troisième degré de curiosité. Parce que nous avons d'abord vu que les affaires se passent en France et on ne voit pas comment le droit français, le droit camerounais va s'immiscer dans un problème entre des actionnaires français et étrangers d'une entreprise de droit français, l'entreprise n'ayant commis aucun délit au Cameroun. Donc, on est déjà premier degré de surprise. Le deuxième degré de surprise, c'est que donc, vous êtes un invité de l'État camerounais, donc qui vous doit donc protection dans ces cas. En effet. Et si vous n'avez pas commis de délit contre l'État camerounais, normalement, cet État doit continuer à vous protéger jusqu'à votre retour, comme était prévu par les biens qu'ils avaient achetés pour vous. Là, le troisième degré est ici, au niveau où on vous arrête, et on vous présente des mandats d'arrêt, et vous dites là que ceux qui signaient ces mandats vous faisaient comprendre que les affaires viennent de deux personnes les deux ministres que vous venez de nommer. Alors, quand vous êtes pris dans ce tourbillon, comment essayez-vous de vous défendre? Dans les premiers jours, en fait, j'ai attendu chaque jour que quelqu'un vienne s'excuser en m'expliquant qu'il y a eu une méprise. Par conséquent, j'ai sans cesse demandé à mes collaborateurs d'aller payer des frais pour différer mon billet. Donc, on a différé mon billet pendant très longtemps. Chaque jour, je pensais que je reprendrais l'avion.
Donc, on ne comprend pas au début. Et surtout, on ne prend pas au sérieux. Et à un moment donné, quand vous faites 12 jours de cellule et qu'on vous met des mandats de détention, tantôt un juge, tantôt le procureur de la République, vous commencez à vous dire, et si c'était une histoire sérieuse, cette affaire? Surtout que vous êtes passé par des confrontations à la police judiciaire. Souvent, les rapports de la police judiciaire ont dit qu'il n'y avait aucune matière à poursuite. Mais le procureur de la République les a relancés. Et d'ailleurs, nous parlons là des plaintes souvent soit sans date, soit avec des dates datant de 2012. Je rappelle que l'affaire se passe en mai 2013. Donc des plaintes datées soit de 2012, soit sans date. Je vous laisse le soin d'apprécier, mais je vous décris là des faits, puisque c'est documenté, c'est vérifiable. Et à un moment donné, en fait, vous vous dites, comme je ne comprends pas ce qui se passe, s'il faut en passer par les prétoires pour exprimer et démontrer son innocence, chiche, allons-y. Et donc, au départ, je suis extrêmement combatif. En fait, je ne me reproche rien. Et je me dis même, et si ça se trouve, je suis dans cette chose qu'on n'aurait jamais dû appeler prison, sauf par le truchement d'un exploit marketing, parce qu'on parle là d'un camp où sévit la torture, la séquestration arbitraire, les sévices, les trafics, un camp de déshumanisation et de cruauté dans une expression telle qu'il aurait fallu d'autres mots pour dire à quel point c'est inénarrable. Donc, vous vous dites, vous y êtes passé pour découvrir. Peut-être que ma solution numérique aurait dû passer par là. D'ailleurs, il y avait des gens là-bas qui me disaient, mais puisque tu es inventeur, il va falloir bien que tu inventes quelque chose pour nous. Parce qu'il se pourrait que tu aies commencé par des cas qui étaient moins urgents. Là, il y a matière à inventer. Donc, ce n'était pas de l'ironie quand je voyais. Et donc, au bout d'un moment donné, on allait au prétoire. On démontrait. Vous savez, parmi les procédures, il y en a une qui avait déjà été jugée à Paris. Non pas celle des footballeurs, mais celle de l'un de leurs amis. Parce qu'en fait, pourquoi il y a eu jusqu'à 5 plaintes? En fait, il y en a eu 7, y compris de l'ambassadeur du Cameroun à Paris, qui est l'actuel ministre des Relations extérieures. Disons les choses, parce que pourquoi il y a l'impunité en Afrique? Parce que chacun de nous finit par avoir peur, par démissionner. On va s'arrêter quand, en fait? L'impunité va s'arrêter où? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu 7 plaintes, que c'était toutes des plaintes pour le même motif farfelu, l'escroquerie, et que parmi les plaintes, 5 ont été finalement retenues. Et si elles ont été nombreuses, c'est parce que la plainte principale, qui est celle du Ballon d'Or Football Afrique, africain de foot... De Patrice Mboma. Ah, de Patrick Mboma, avait paru légère. Et donc, il a simplement demandé à meuter des créanciers. Il a invité, comme on lance un appel d'offres, pour que quiconque vienne, parce qu'il promettait, à qui voulait bien l'entendre, qu'une fois que je serai à jamais exclu de Hope et coffré dans à Nubel, que lui, ce qui est vrai, en tant que directeur général statutaire, deviendrait légalement, continuité de la personne morale oblige, le représentant légal du groupe Hope, et donc en fait l'interlocuteur de l'État dans le cadre du partenariat public-privé que Hope conduisait avec un grand succès depuis l'année 2010, donc depuis plus de 3 ans. Et donc, en fait, ces personnes, ces créanciers sont arrivés, probablement, par le charisme de M. Mboma, qui était capable de les mobiliser, mais ce sont des amis aussi, je vous ai dit, tous ces créanciers. Donc, il y avait d'autres... Donc, vous affinités. Avez, si j'ai bien compris, il y avait, parmi les créanciers, parmi ces créanciers, l'actuel ministre, Bella, le jeune. Non, parmi les plaignants. Parmi les plaignants. Ouais, mais lui, il était plaignant à quel titre? Par zèle, parce c'est que. C'est-à-dire. Simplement parce que, regardez, le foot en Afrique, c'est une religion. Si vous avez un jour été au Cameroun, vous devez savoir qu'il en est au Cameroun comme quasiment du Brésil. C'est vraiment une religion. Donc, quand vous avez un ballon d'or africain, un joueur quand même qui a été capable d'exploits de l'ampleur, de l'envergure de ceux de M. Mboma, oui, vous avez un attachement, ça serait l'équivalent de Zidane en France, ou alors d'un certain Pelé ou Ronaldo au Brésil. Mais excusez-moi, donc mais il y a une affection qui fait que, en fait, je crois qu'il bénéficie d'une réputation avec une telle prégnance dans l'imaginaire que tout le monde a envie de rendre à ce fils qui a, à un moment donné, beaucoup donné au pays.
si on tient compte de, des émotions et peut-être des rares moments de joie collective que le Cameroun ou le peuple camerounais a pu avoir dans les compétitions internationales. C'était lié notamment à des buts ontologiques de Monsieur Mboma, etc. Donc, je suppose que il a voulu, des personnes ont voulu lui rendre l'ascenseur, mais surtout, je crois que tout le monde sait, et d'ailleurs ça ne se cache pas, hein, c'est Monsieur le ministre lui-même qui l'a dit, alors que mon pronostic vital était engagé à l'été 2014, c'est lui qui l'a dit aux dirigeants de SOS Racisme. Il a clairement expliqué que Monsieur Mboma est venu le voir un an avant. Pour... Qui vous parlez de qui là? Je parle de Monsieur Nganoundjou Messi. Oui. Donc c'est consigné dans les minutes d'une audience qu'il a demandé et obtenu avec SOS Racisme, et au terme de laquelle il a fait comprendre à une audience d'une douzaine de personnes qu'en effet, il n'y est pour rien, parce que je mourrais. Il fallait bien peut-être expliquer qu'il n'en serait pas l'auteur à porter le chapeau, que non, c'est M. Mboma est venu le voir, en fait, pour qu'il dépose plainte, Mboma et lui, pour détournement de deniers publics. Sauf qu'après avoir tout regardé, il n'avait trouvé que des satisfaits de son prédécesseur, y compris de lui-même d'ailleurs, et que par conséquent, il n'y avait aucune base un peu sérieuse pour déposer cette plainte. Ce qui veut dire qu'au moment où il m'invite en avril 2013, il sait donc que le directeur général adjoint du groupe Hope est dans une démarche avec des autorités camerounaises, en tout cas au moins lui, et évidemment le garde des Sceaux, dont sa relation avec M. Mboma sont de notoriété publique, il n'y a pas besoin de faire des... Chacun peut aller regarder, c'est connu, il y a les images. Et donc, il y a même peut-être des affinités beaucoup plus poussées que ça. Et donc, en fait, au moment où le ministre de l'économie m'invite, il est au courant qu'il y a possiblement une cabale judiciaire qui est en train d'être mise en route contre moi. Je ne suis pas prévenu et je suis invité. Je suis quand même invité. Et au moment où on m'arrête, je ne peux m'empêcher de penser à un guet-apens aujourd'hui, en tout cas a posteriori, dans la mesure où le représentant légal du gouvernement camerounais, en la personne de Monsieur le ministre de l'économie, m'invite. Et lui-même explique aux dirigeants de SOS Racisme au Cameroun, au cours d'une audience, qu'en fait, depuis 2012, il est au courant que dans la société, il y avait des actionnaires, notamment le directeur général adjoint, qui voulaient me porter plainte. Donc c'est comme ça que, de bout en bout, je me mets à reconstituer le fait qu'en fait, les plaintes en elles-mêmes ne valaient pas. Elles ne valaient que pour un prétexte juridique, pour permettre de déployer un dessein qui est très simple, un diabolique dessein qui est s'approprier de l'invention technologique de Hope en mettant en prison son inventeur.